Là, je vous montre les pareuses. Alors, les pareuses, ben, là, j'en ai acheté une petite parce que comme je serai en retraite bientôt, ben, ça me permettra d'entretenir les cours et tout ça. Donc voilà, j'ai 12 kilomètres de haies à faire, à peu près, à entretenir. Donc bah, je vais vous montrer un tout petit moment, c'est fastidieux à faire, c'est pas intéressant, c'est comme ça. Donc là, bah, j'essaye de reprendre, de faire, c'est une parcelle qui est très mouillée, là, près du Verne. Donc j'en ai profité pour mettre une botte aux vaches, pour faire un trajet du pierre de coups. Les pareuses, bah, c'est ça, on passe, on broie, ça explose un peu les têtes de... d'épines, parce que d'épines, de toute façon, quand elle est trop haute, vous allez voir plus une autre fois, je filmerai, quand elle est trop haute, bah, ça retombe en fait, ça casse les trucs, donc voilà, je fais une fois par an, on passe ces petits engins là qui coûtent très cher, mais bon, c'est l'entretien de la ferme, ça, c'est... Alors là j'ai doublé aussi, pourquoi j'ai doublé? Parce qu'avant j'avais une clôture électrique et puis la dernière sécheresse, ben, les vaches sont sorties, ça a été compliqué, elles avaient été chez le voisin, elles étaient perdues. Il a fallu, ça a été assez galère pour les récupérer. Du coup, ben, là j'ai une super clôture. J'espère là, ben, c'est long, mais ça a été long à clore, mais au moins maintenant je suis tranquille. Donc voilà, c'est pas un travail très marrant, ça vous permet de voir. Faut pas s'affoler, faut y aller tout doucement. Et puis bon, là, il n'y aura pas beaucoup à broyer sur le côté, pardon. C'est surtout dessus. Et puis on va aller. Alors l'avantage, l'inconvénient d'avoir attendu maintenant, enfin j'ai pas pu le faire autrement, mais l'inconvénient de broyer à cette saison, c'est que ça peut être. Ça peut marquer un peu le terrain. Là c'est des anciennes traces du tracteur quand j'ai fait la clôture. C'était archi mouillé, c'était un printemps hyper mouillé. L'avantage de cette saison, c'est qu'on voit bien les fils, on voit bien ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on le fait au mois d'août, bah, on peut avoir des soucis avec surtout une année comme cette année où pas tuer la végétation, et puis deuxièmement on voit rien du tout avec les feuilles, alors que là ça fait moins de volume à enlever, donc on voit très très bien les clôtures, les piquets, donc voilà, moi perso je sais pas, faut faire, les deux sont bien, et... l'essentiel c'est d'avancer.